Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Jedi Fallen Order sur la Xbox One. Qu'est-ce qu'il a vu lui encore? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as trouvé? Tiens, on peut monter là. Je ne suis pas du genre à reculer sur la voie de la connaissance. Oh. Là-bas, ça sent quand même le... Ça sent le trésor. Est-ce qu'il y a des trésors ici? Oh. Y a rien à trouver normalement. Il s'est passé quelque chose d'horrible. On a un pas de compétence. Ils se sont entretués dans une quête de pouvoir. Il y a un gars là qui m'attend là. Ça sent le combat. Hein. Alors voilà lui. Ça s'appuie. Malikos. Ça sent le combat. On va sortir le Y. Pourquoi ces ruines t'intéressent-elles au point de risquer ta vie? Je peux vous retourner la question. Car leur pouvoir est grand. Bien trop grand pour un Jedi. Un pouvoir que je contrôle. Si tu veux, je peux te l'offrir. Vous ne comprenez pas? Le pouvoir n'est pas ce que je recherche. Je veux reconstruire l'ordre. Reconstruire l'ordre Jedi? Tu es un pauvre fou. Il est trop tard! Les Jedi sont morts bien avant la purge. Asphyxiés par leur tradition. Aveuglés par leur gloire passée. Et assourdis par une guerre sans fin. Peut-être bien. Mais il n'est jamais trop tard, Malikos. Nous pouvons apprendre, puisque nous sommes debout. Et nous repentir des erreurs du passé. Les Jedi. Ils n'ont plus aucun avenir. Ça sent le gros combat là. Ça peut être sympa. Il faut penser au renouveau. Allez. Toi et moi. Arrête de parler, on va se taper. Autre chose. De bien plus grand. Non, non, on va se taper. Non. Je te sens pas, toi. On va plutôt se taper. Alors, va devenir... Allez! Oh, il est badass. T'es badass. Tu ne me toucheras pas. Ah ouais, je t'ai pas touché effectivement. Oh, là je l'ai touché. Hop là. Ah, j'ai raté. Affronte-moi. Viens. C'est pas faux. Oh, 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 il m'a enchaîné là, il m'a enchaîné. Il a pris, il a pris. Ouf. Ouf. Seuls les lâches fuient. Viens, viens, viens. Ouh! Ouh! Oh, il a pris cher là! Ah, c'était beau ça! Hop là, attention! Il m'a. Ouh! Ouh! Ah, viens, viens, viens! Tu n'es que l'ombre d'un Jedi! Manque de finesse! Ouf! Oh, touché. Ah, ok. Faut faire attention, il a... Vous voyez, il a une petite barre au-dessus de lui. Oh, t'es sérieux, là? Wow. Okay. Dis-moi si tu l'oses. Ok, en fait, il faut réduire sa barre. Merde, ça c'était n'importe quoi. Faut réduire sa garde. Allez là!
Là, ouais. Bon. Première phase. En fait, faut lui baisser sa garde et... Et après, on peut le taper. Il faut vraiment que je garde les Y à ce moment-là. Faut juste que je l'agresse avec des petits X. Terminable. Ah. Tu n'as aucun droit sur Datomir. Aucun droit sur notre magie. Ok. Relève-toi, Cal Kestis. Ton heure n'est pas venue. J'avoue. Allez, deuxième partie du combat. Regardez, voyez la barre, elle se... Je vais trop vite pour toi. Wow. Ok. Ce n'était rien. Ok. Ok. Ouais. Il m'a bien fait foncer là. Ok, attends. Ouais, là il a pris cher. Ah ouais, ok. Ok. Oh, juste quand j'y allais. Ah là, j'ai pris. J'ai survécu à vie. Oh chier! Tiens! En fait, fallait réduire sa défense et après lui foutre un grand coup de Y. Qu'est-ce que c'est? Vous aviez raison, Malikos. Datomir sera votre tombeau. Bon, on vient de battre un Jedi. Je sais pas. Laisse-le si c'est. Dans les ténèbres avec ses secrets. Si ça va beaucoup jusqu'à nous aider dans notre quête. Pourquoi tu m'as aidé? On trouve un Jedi, on le tue quoi. Pour délivrer Datomir de ce parasite. D'accord. Plusieurs entrées. D'accord. Du coup, il y a quoi là-bas? Comment j'y vais? Non, je vais lui parler à elle parce que. C'est... Que fais-tu vraiment ici, Cal Kestis? J'en sais trop. Ceux rien en fait. Tombeau, hein. Les Efaux ont créé un objet qu'on appelle Astrium. Il ouvre un sanctuaire sur une planète lointaine. Et à l'intérieur se trouve une liste d'enfants sensibles à la Force. Mais l'Empire aussi est à sa recherche. Quel Empire? Eh bien, l'Empire. Celui qui cherche à exterminer les êtres sensibles à la Force pour asseoir sa domination. Alors il arrivera bientôt sur Datomir, comme la guerre avant lui. Je t'aiderai à trouver cet Astrium. Bah c'est gentil ça. Ah bah merci. Ce lieu, c'est... Terrifiant. Attends. Bon bah y'a pas le choix. Hein. Hop là, j'ai eu peur de tomber dans le trou. Ça aurait pu le faire. Qu'est-ce qu'il a vu? Incroyable. Donc c'est le fameux Astrium, c'est ça? On l'a enfin trouvé. Ouais. Alors il existe? Meryn, c'est peut-être la clé de la nouvelle génération de Jedi. Je me réjouis pour toi. Et tes Jedi. Il n'y a rien qui puisse me ramener les miens. Ah, désolé. Ah, c'est pas faux, Juste après la purge, je suis resté tout seul pendant très longtemps. J'étais caché, j'avais
J'avais peur que quelqu'un découvre qui j'étais. Ou ce que j'étais. Qu'est-ce qui a changé ? Un très bon ami m'a conseillé de partir et de trouver ma place dans la galaxie. Et tu l'as fait ? Non. Mais... J'ai été forcé. Il y a cette drôle de façon de te pousser vers l'avant quand bah c'est ça. J'ai pas trop eu le choix, quoi. Je suis là désormais. Contre toute attente. D'accord, il a la main qui passe à travers son poncho. Te pousser vers l'avant. Franchement, l'histoire, elle est bien. L'histoire est vraiment bien. Je viens avec toi. Quoi ? Ah bon ? J'ai passé des années à attendre une occasion de venger mes sœurs. Mais j'en ai terminé. J'aimerais me battre à tes côtés. Bah écoute... Les sœurs de la nuit et les Jedi ne voyagent pas ensemble, mais... Les survivants... doivent s'adapter. Bah écoute, si ouais. Tu le dis... Ouais, t'as pas tort. T'en penses quoi, BD ? Je suis d'accord. Allez, bah, allons-y. Par contre, on va devoir aussi convaincre le reste de l'équipage. Ah. Alors, on fera ce qu'il faudra. D'accord. Attends, il l'a maté le cul, là. C'est moi ou il l'a maté le cul ? Objectif atteint. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ça va, tranquille. Ah, attends. On ne peut plus avancer. Je me disais, j'ai pas besoin de... arme de compétence, peut-être arme de compétence. Qu'est-ce qu'on a ? Non, c'est 2 points, c'est 3 points. Peut-être celui-là, non plus. Ouais, on va attendre. De toute façon, on n'a pas le choix. On va se battre. Tout à l'heure, c'était gars. Toi aussi. En effet. Je voulais voir ce que tu ferais face à Malcolm. Quoi, c'est un test ? Merde. Et tu as réussi. T'es sérieux là ? Est-ce que tu vas m'aider ou pas ? Tu t'en sortiras très bien. Putain, je fais de la merde. Ok. Il a pris cher. Je vais pas regarder. Ouais, je l'ai fait beaucoup trop loin. C'est quoi cette merde ? Merde ! Ah, il s'est barré. Ouais, il s'est barré au pire moment. Watch. Allez. Avec tout ce voyage. Qui est-elle ? Serré ? Attends, qui t'a parlé d'elle ? J'ai vu tes deux compagnons. Malikos voulait que je les tue, mais il n'était pas une menace. Serré ? Eh bien, elle était un Jedi. C'est une longue histoire. Rendez-vous à ton vaisseau. C'est juste pour le point de passage. Pour info, je ne sauvegarde pas, c'est pour ne pas faire réapparaître les ennemis en fait. Hein. Alors ici, il y a un truc que je pige pas. Ah bah il est là. Bah cool. On va le prendre. Hein. Ah non, il est pas là. Je peux pas m'accrocher à ça. Non, putain. Je peux pas m'accrocher à cette corde. Bah comme c'est dommage. Pourtant, il y a une belle corde là. Attendez.
Non, bah non, je peux pas. Ok, bon, bah je suis obligé de faire le tour. C'est un peu relou, ça. C'est bizarre qu'on n'a pas libéré... Je peux passer par ce petit chemin-là, apparemment. Ah, tout ça, à chaque fois, les retours, là, c'est un peu chiant, quand même. Bon, là, c'est pour la table. Wouah, la puissance. Wouah, d'avant, il fallait 3 coups. What? Allez. C'est pas où qu'on passe là? C'est quoi ce bordel? Je suis où là? Ok, pas du tout. Mais on peut pas du tout sortir par là. Qu'est-ce que je suis venu foutre là? C'est une catastrophe! Faut vraiment passer par là alors? Regardez-moi ce labyrinthe, c'est un truc de ouf. Bon, on va passer par là. J'ai vu une racine par là, non? Putain, je sais plus. Je sais pas si on peut passer. Mais je suis totalement perdu, c'est un truc de fou. Non mais il faut que je monte là. Ah voilà. C'est ça. C'est bien ça. Hop, j'ai fait ça. Mais il l'a pas attrapé. Eh mais pourquoi il marche pas? C'est quoi ce bordel? Attends mais je suis où là? Tu l'as mis de l'autre côté déjà? Non, pas du tout. Pourquoi elle l'attrape pas? Qu'est-ce qu'il me fait? Allez, on va se balancer. Hop. Ok, j'ai pas besoin en fait. Ça marche. Là, il suffit de descendre. Ok. Ah, mon sens de l'orientation est catastrophique. L'autre, elle va se moquer, elle va dire, je t'ai attendu, qu'est-ce que tu foutais? Tu l'as trouvé. Qui c'est celle-là? Qu'est-ce que ça veut dire, bon sang? Ça veut dire que je viens avec vous. Serré, grise, voici Mérine. Je rêve ou c'est une sorcière? Je suppose qu'on doit retrouver à Bogano. Vous n'avez absolument rien à craindre. Je n'aurais pas trouvé l'Astrium sans elle. Elle m'a aidé à battre Malikos. Je lui fais confiance. Et on te fait confiance. Toi, tu devras faire tes preuves. Ok, très bien. Tu peux t'installer. Et n'essaie pas de nous la faire à l'envers. Bienvenue à bord. Bon, bah ça a été simple finalement. Il t'aime bien. Je comprends pas ce que tu dis. Bon, je suppose qu'il faut aller à Bogano là. Ce serait la logique, maintenant qu'on a le petit objet. Où est-ce qu'on va maintenant? Eh ben oui, le sanctuaire de Bogano. Allez. Alors ça tombe bien, c'est pas là-bas qu'on a vraiment beaucoup de quêtes à faire. Putain, il est où le... Il est où Bogano? Zepho? Bogano. Ah ouais, 4 coffres sur 16, 2 secrets sur 6, 52% d'explorer. On a beaucoup de choses à faire, je pense, à Bogano. Allez, c'est parti. Il a toujours voulu explorer toute la galaxie. Et vous l'avez fait? On a visité de nombreuses planètes.
des tombeaux et des temples liés aux Zephos et aux Jedi. J'ai atteint ma limite. Pour lui, il n'y en avait pas. Ce vieux fou s'est retrouvé tout seul, le pauvre. Il a toujours été seul, même quand j'étais avec lui. Il n'y avait que son travail et l'avenir qui lui importaient vraiment. Il ne prenait pas le temps. Il était toujours en mouvement. Il n'y a que sur Bogano que j'ai eu l'impression de le voir s'installer. Enfin, pour un court instant. Quand tu veux, on arrive. Je croyais que... Ici, petit gars. Bah on oui, va mais... pas tarder à se poser. J'attendais. Ça va fonctionner? Cordova a réussi. Tu pourras y arriver. Elle a raison. Eh oh, est-ce que vous avez faim? J'avais prévu de me faire griller des steaks de Skaz. Désolé, je vous dérange? Non, capitaine. Et on ne serait pas allé aussi loin sans ton aide. Oh, c'est la vérité, Grise. Ah, merci. Eh, j'espère que tu finiras par trouver ton holotruc. Holocron. Vous êtes sûr de vouloir trouver cette liste? De quoi tu parles? Les enfants de cette liste. Si on les éloigne de chez eux pour en faire des Jedi, n'est-ce pas les mettre en danger? L'Empire ne doit pas pouvoir s'en emparer. Elle nous aidera à mettre un terme à l'Empire. Changement de plan, on est presque arrivé. Oh, Grise. Ouais. J'aime mon steak très saignant. Ok, ça je sais faire. Ah, Bogano. On était qu'un petit Jedi nullissime quand on est venu la première fois. Ouais, on va essayer de rouler sur la map là. Cet endroit a quelque chose de bizarre. L'énergie est différente par ici. Rien à voir avec Datomir. Non. Datomir est complète. Vous voyez, je ne savais pas ce que ça voulait dire, tous ces trucs jaunes, machin. Là, maintenant, je maîtrise un peu mieux les maps. J'arrive pas à comprendre. Bogano est unique. C'est pour ça que les Zephos y ont bâti leur sanctuaire. Donc, par exemple, ici, il y aurait un truc jaune. Par exemple. Je ne maîtrisais absolument pas la map quand je suis venu la première fois ici. Hé, salut toi. Voilà. On commence déjà à trouver des trucs. Que sur ces faux. À quoi ça peut servir? On n'est même pas sorti du. Ok. Nous allons t'aider. Attention, compagnon Voglin. Alors attends. Je pourrais jamais la monter là-dedans. Ouais. Donc le truc il est monté. On va monter aussi. Hein. Je sais pas ce qu'il voulait ce petit machin. Hein. Il lui a dit qu'on allait l'aider, je sais pas pourquoi. Il est où le bordel? Il est là? Nouvel objectif. Ok, bon. Ok, hop, ici sur la droite légèrement, il y a quelque chose. Là, on va bien pouvoir utiliser la map. Bah, il y a un mur là. Je peux pas sauter là-dessus quand même.
je pense pas. On va revenir par là, je pense, plus tard. Donc là, à droite, il y a un chemin. J'ai envie d'aller voir. Parce qu'on n'avait pas le double saut avant. Donc là, on l'a. Ah, il y a un truc là. C'est gentil ou c'est méchant ça? C'est méchant! Il doit y avoir un nid dans le parage. Il y a des bestioles là. Ok, tout ça c'est nouveau, donc c'est plutôt pas mal. Est-ce qu'il faut que je cours sur les murs ou je... Ça me paraît bien. Ça me paraît bien loin, mais bon, on va tenter. Ah. Ok, ça n'a pas marché. On peut remonter par là. Ok. T'as vu, il y a un truc de dinosaure là. Ça t'intéresse pas ça? On entend un derrière, non? Ok. Ce qui ne mène à rien. Alors, ça mène à rien, sauf si on peut s'accrocher à ces murs, je pense. Ok. Je pense que je peux sauter à ces murs. On va tenter. Alors, à ces murs... à ces murs, je pense que je peux sauter dessus. Ok. Ok. Pas mal. Ok. Oh bah tiens, regardez qui est là. Hey BD, qu'est-ce que c'est? Tu me surprendras toujours, BD. Ok, bon ça c'est cool. En bas, on a déjà été ou bien? Comment ça se passe? J'ai envie de sauter là. Oh, ça me parle ce truc là. Attendez. Il n'y avait pas une espèce de grosse bestiole là-dedans, mais qui était beaucoup trop forte pour nous. Que maintenant, on pourrait peut-être défoncer. Genre lui. Watch! Ok. Ok. Bon, effectivement, on a pris de la puissance. Wouh! On a pris de la puissance. Ça, on l'avait pris? Bah non. Bah voilà. BD, je crois que c'est ton truc. Belle démonstration. Ok. Tu déniches toujours des trésors. Bon, je sais qu'on n'est pas loin de la fin du jeu, en fait. Et du coup, j'ai vraiment envie de poncer cette map. De bien faire tous les... En ayant les connaissances qu'on n'avait pas avant. Les connaissances de la map, surtout. Hein. Je savais pas travailler... Je ne savais pas utiliser la map, tout simplement. Alors que maintenant, ça va un peu mieux avec les... Les petits repères jaunes. Alors, du coup, on va aller où maintenant? Là, on a autre chose, mais plus haut. On va sauter en face. En face. Voilà. Par ici, on sait qu'il y avait quelque chose. On va y aller. Il y avait un truc en bas. Ah, il y a... Il y a des...
Il y a des feuilles là-bas. Ici, on avait un truc, mais je pense qu'on y a été. C'était pour récupérer une vie. On l'a récupéré, hein. J'ai envie de retourner voir. Histoire d'être sûr de ne rien laisser. Oula. Il y a une boîte là-haut. Il y a une boîte là-haut. Comment j'y vais? Déjà, je peux m'accrocher là. Non. Ouais. Bon. Alors, il y a bien quelque chose à récupérer ici. Du coup, j'ai envie de l'avoir. Merde! Oh putain, n'importe quoi! Comment je pourrais faire? Si je descends... Est-ce que je peux m'accrocher à ça? Non, putain! Oui! Comment monter? Non, ça me dit pas comment monter. Putain, comment je pourrais faire? Je peux quand même pas sauter. Je peux pas remonter de toute façon là. Ah, je sais pas trop comment faire là. Si je monte, est-ce que je peux sauter sur les murs là? Oh, c'est beaucoup trop loin. Ah, mais c'est ce truc là là. Je veux ce coffre. Non, ça monte pas. Ça ne s'accroche pas. Je ne peux rien faire. Je ne sais pas comment monter. Putain, c'est chiant. C'est incroyable ça, ce coffre. Il est là, il est à portée là. Ah, attendez. Il y a peut-être un truc comme ça. Vas-y, monte. Ah oui, mais non, il faut que je fasse. Allez, grimpe. Fais pas ton relou. Là, il fait un geste, là. Non. Que dalle. Putain, c'est chiant. Comment c'est possible, ça? Eh ben, je ne sais pas. C'est chiant, parce qu'il est là, quoi. Et là, il y a quoi dessous, là? Que dalle. Ah mais attendez, maintenant ça c'est la plateforme. Mais je sais pas. Bon, on va pas y passer 2 heures, hein, mais c'est un peu dommage là. Il est vraiment à portée de main là. Je peux pas m'accrocher à ce truc là. Attendez. Non plus. Bon bah j'en sais rien. C'est bizarre. On a un coffre qui est juste là.
Et on peut pas le... Putain, ça m'agace. On est d'accord, c'est agaçant. Il y a une corde là-bas. Bon, on va voir. Donc là, à gauche, il y aurait un truc. Ok. C'est juste un chemin sur lequel on peut courir. Ok, qui ne sert à quoi? À rien! Ok, je sais pas. À quoi sert ce chemin? Il est fou ce chemin. Ah oui, j'aurais pu monter, tac tac tac. Je pense que c'est ça. Hein. Ouais. On va voir quand même, parce qu'il y a peut-être quelque chose au-dessus. Voilà. On va aller par là. Voilà. Salut toi. Un gros trou, c'est quoi ce gros trou? J'hésite à sauter dedans. Putain, il y a des troncs. Il y a un truc par ici. Il y a un chemin par ici. Ok, on peut sauter. J'ai envie d'aller voir ce qu'il y a dans ce trou, hein. Ah bah on, d'accord, on est dans la... Ok. Je vois où on est. Parfait. J'aurais pu... J'aurais pu m'en douter. Mais non, mais j'ai fait demi-tour. Mais je me perds dans le noir, hein. Bon, on tourne un peu en rond, là, mais... J'avais vraiment... J'ai vraiment envie de fouiller cette cette carte. Il y a quoi là? Il y a un truc rouge là. Il y a une porte fermée ici. Ok. La porte est coincée. Cette île... Il y a encore beaucoup de secrets hein, sur cette île. Hein. Bon. Ah, il y a des trucs là-bas où on n'a pas été... Normalement, il y a une grosse bête ici. Quoi? Ah, sur la droite, il y a plein de trucs, regardez. Par là, il y a plein de trucs. Bon, la grosse bête. C'est là, un truc étrange. Ouais, c'est là. Ça va te paraître bizarre, mais je crois que c'est l'astrium. Plus on approche du sanctuaire, plus la sensation est forte. Attention, BD, on ne sait toujours pas comment ça marche. Ça sert à rien. On va juste méditer un coup. Je crois pas qu'on a pris de points de compétence. Si, on en a deux. Donc on va mettre un peu là sur cette partie gauche là. Une poussée puissante qui permet à Cal de repousser les ennemis. On va prendre ça.
Maintenir RT, ok. C'est parti, BD. Bon, on a un peu exploré, mais... Parce que, ouais, voilà, je voulais un peu... Un peu voir ce que ça voulait. Allez, c'est parti. On va voir ce que ça donne. L'holocron vous attend. On a ouvert le sanctuaire. Stupéfiant. Le sanctuaire est construit comme un gigantesque holocron. Je pense que je le referai maintenant que je l'ai sur PS4. Ouais, alors. Je pense que je le referai sur la PS5. En mode beau gosse et en ayant les connaissances qu'on a au début. Maintenant. Je pense que ça peut être vachement intéressant. Il n'y a pas de map ici. Donc on est dans notre délire là. Résiste à la force du mal, blablabla. Comme quand Luke a vu Dark Vador. On s'entraîne avec Yoda. Notre quête de contrôle nous a mené à notre vie. Je les guiderai sur la voie de la force. Maître Kestis. Nous commencerons par la préparation physique. Qu'est-ce que la force? Rassemblez-vous autour de moi. Maître Kestis, vous pensez que l'Empire nous trouvera? Où je vais, hein. De toute façon, il n'y a pas de chemin. Je pense que c'est du tout droit, quoi. C'est l'Empire! Les Inquisiteurs nous ont trouvés! Mais qu'est-ce qu'on doit se battre? Ils arrivent! Vers les tranchées! Continuez! Protégez-vous! Il se tape un gros délire, hein. Dispersion, cherchez les autres. Oui, chef. Il n'y a aucune issue. Je te tiens. Ils ont l'air de tuer tous les petits jeunes, hein. Les jeunes Jedi. Hein. Toi immédiatement et nous épargnerons les plus jeunes. C'est très bien. Mais toi, je... Ah. J'ai vraiment peur. Qu'est-ce qui va se passer? Maître Kestis, pourquoi?
Bâtard. Ah. Ah, pourquoi je suis en noir et j'ai un sabre rouge? Ça c'est quoi le délire là? Genre comme si j'étais passé du côté obscur là. Pas question. C'est du délire ce truc. J'avais peur de te trouver ici. Oh, je ne te croyais pas capable d'un tel discernement. Et moi qui croyais que ta plus grande qualité était ton obstination risible à passer d'un fiasco à l'autre. Alors tu aurais peut-être dû me tuer sur Braca. Allez, c'est parti. Quelle là. Importance. Ce n'était que la vie dérisoire. Ça sent la grosse bataille. Entre ce qui me vaudra les grâces inestimables de l'empereur. Tu penses que je vais te laisser partir avec l'Holocron? Bien sûr que non. Nous sommes fiers tous les deux. Mais ta fierté à toi t'a coûté la vie de tous les enfants sensibles à la force sur cette liste. Sans parler de... Allez. Blablabla. Il faut toujours qu'ils parlent les méchants. Je suis obstiné. Yes. Allez, c'est parti. Toujours en train de courir. Ok, touché là. Bébé. Allez, tu vas faire quoi maintenant? Non. Fais attention avec ça. Il a vu l'enfer. Ah. Non. Non, attendez. Se séparer est une mauvaise idée. Non. Je vais les éloigner d'ici, et ensuite je les contournerai. Reste avec les novices, Trina. Que la force soit avec toi. Maître, restez avec nous! Trina, qu'est-ce qu'on va devenir? Ça va aller. Ça va aller. Bordel. Non. La saloperie. Il y a des mecs. Qu'est-ce qui se passe encore?
avoir affaire à moi maintenant, Jedi. Il a trop peur. Pas une heure, bande de lâches. J'arrive pas à le suivre les yeux. Venez, l'ennemi est ici. Descendez. Faites attention à vous. Que quelqu'un prenne le relais. T'arrives à le toucher? Il est dur à suivre. Je me concentre. Toi. Qu'est-ce qu'il a eu là? Alors, on se fait des amis? Ça va où ça? Oh, ça va à un endroit où on n'a jamais été. Vous êtes combien? Attends. Bouge-toi là, bouge-toi. Allez, ça dégage là, il y a trop de gros machins là. Ah mais il y a une caisse là, bonjour la caisse. Là-dedans. Ok. C'est quoi l'objectif? Ah, l'objectif c'est de rentrer au Mantis. Ok. Oh oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez. Hey, pourquoi t'as pas pris? Ouais, attends, le bug. Me dites pas que je peux l'arrêter. Mais si. Ça, c'est cool, ça. T'es un petit curieux, hein? Oh, t'as trouvé quelque chose. Eh ben, on a fini par y arriver. Regardons ça. Mon ami,
j'ai mis au jour un curieux artefact. Bon bah c'est parfait ça. Oh punaise. Je vais repartir par là si c'est possible, je sais pas. J'essaye. Ouais. Bon, on va retourner au Mantis. Hein. Par ici on peut, je crois. Ouf. Je peux pas remonter par ici. Putain, c'est quoi ce délire? Ah non, ici c'est le gros truc là. Par où je peux remonter moi? Putain, je suis pas du tout. Là c'est la grosse bête là-dedans. Bah ouais. Qu'est-ce que je fous là, putain? Par où je peux ressortir? Comment j'étais arrivé là? Ah, par là-haut. Ouais, mais dans l'autre sens, ça marche pas. Ok, bon. Faut que je monte là. C'est bon, je sais. Là, par là, par les lianes. Ok. On va monter par les lianes. C'est quoi cette musique champêtre là? Qu'est-ce qu'il fout là? Non mais j'y crois pas. On tombe sur des caisses comme ça quand on tient. Sors de là, BD. Attendez, on va regarder un peu. Deux coffres. Ah mais on est. Qu'est-ce qu'il fout en bas lui? Bon moi je me barre. What the fuck? Oh, c'est un bug. C'est une blague. Bon, ça doit pas être possible, mais putain, on était dessus, quoi. C'est abusé. C'est totalement abusé. Serré. J'ai vu ce qui est arrivé. À propos de vous, Itrila, et ce que vous avez vécu. Je suis vraiment désolé. J'ai été arrogant et je me suis mal conduit. Je ne peux pas comprendre ce que vous avez traversé. Elle a notre Holocron. Je ne sais pas où elle l'a emmené. C'est entièrement ma faute si Trilla a suivi cette voie. Et ce qu'elle va faire par la suite est la somme de toutes mes erreurs. Mais nos erreurs relèvent du passé. Nous nous devons de les assumer. Préparer l'avenir est la seule chose qui importe. C'est vous qui m'avez appris ça. Tu as raison. Je sais où elle l'a emmenée. Dans une forteresse, où ils traînent les Jedi, et d'où viennent les Inquisiteurs. C'est un lieu de torture. C'est le lieu que j'ai fui. J'aurais jamais cru y retourner un jour. Vous ne serez pas toute seule. Mais avec un ami. Non. C'est avec un Jedi que j'irai. À genoux.
Au nom du Conseil Jedi. Et au nom de la Force. Cal Kestis. Debout, Chevalier Jedi. Oh, on est chevalier! Yes, I. Maintenant, tu es prêt. Yes. Tout comme vous. Eh ben, on va se quitter là-dessus. La vidéo est un petit peu plus longue que d'habitude, mais je pouvais pas couper la séquence. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, lâchez-moi votre plus grand pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à cliquer sur le bouton rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne et avoir des vidéos en avance. Nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.